Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné par Keto. Bonjour Keto. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va jouer à Portal 2 en mode coopératif. Centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Bonjour GLaDOS. Aujourd'hui, les tests se feront en tandem. Faites signe à votre partenaire. Les prochains tests vous imposent de travailler en équipe. Pour encourager la collaboration, vous avez tous deux été équipés d'un pointeur. Bleu, utilisez votre pointeur pour choisir votre animal préféré. Alors, mon animal préféré... on va prendre le loup. Bien, Orange, observez l'animal préféré de votre partenaire. Bien. Orange, utilisez votre pointeur pour choisir votre élément favori dans le tableau périodique. Vraiment? Soit. Bleu, observez le choix intéressant de votre partenaire. GLaDOS est toujours en forme, même en mode coop. Votre pointeur peut aussi servir à indiquer à votre partenaire l'endroit où vous souhaitez qu'il place son portail. Dans l'optique de ce test, je vais faire semblant d'être votre partenaire. D'accord. À l'aide de votre pointeur, indiquez où vous souhaitez que je place vos deux portails. Pointez chaque emplacement. Bleu. Je ne peux placer un portail que sur une surface portaillogène blanche. Oui, Orange est le premier à obtenir un générateur de portail. Chaque générateur de portail peut créer deux. Bleu a un générateur de portail. Enfin. Oui, bah enfin, deux petites secondes. Étalonnage du poids de bleu. Étalonnage du poids d'orange. Aucune variance détectée. Voilà, donc pour l'instant je joue avec le bleu et Keto joue donc avec le orange. Votre pointeur sert à indiquer des emplacements spécifiques à votre Merci. Partenaire. Ah, et si je chauffe pas la porte, hein? Étalonnage des cubes effectué. Aucune variance détectée. Le saviez-vous? Les humains n'aiment pas les variances pondérales. Pour énerver un humain, dites-lui que sa variance pondérale est anormale. Alors, hop, moi je vais lui repasser le cube par l'autre côté. Voilà. Et il va nous ouvrir la porte. J'avais presque abandonné l'espoir de refaire des tests. On est confettis. Vous êtes le premier robot à réussir l'étalonnage. Arrêtez. L'issue de ce parcours ne justifiait pas un tel comportement. Sur ce, reprenons les tests. Eh oh. Allez, du coup, on va pouvoir commencer les tests maintenant. Thank you.
Alors du coup, par contre, Keto ayant déjà fait les tests une première fois, bah du coup, on va avoir accès à toutes les salles, mais on va quand même les faire dans l'ordre. Parce que moi, je ne les ai pas fait. Alerte, tous les parcours de test sont disponibles. Oh, ça compte même les pas, c'est bien ça. Hop, et du coup, on va commencer la première salle. Ce parcours de test avait été créé pour les humains. Il encourage la collaboration. Contrairement à nous, la collaboration n'est pas innée chez les humains. Si je fais ça, ça vaut. D'accord, ça vaut celle-là. Ok. Donc je suppose qu'il va falloir que je mette un portail pour pouvoir te laisser sortir quelque part. Ouais. Ah oui, non, d'accord. On va sur la porte? Ouais, je peux t'ouvrir la porte. Hop. Sauf que oui. Il y a un premier portail de mon côté. Alors, hop. Hop, c'est bon. Bleu reçoit 5 points de collaboration scientifique. Yes! Et moi? Non, a priori, il n'y a que moi. Bien. Eh mais c'est ma tête, ça, Réo. Ne refaites plus jamais ça. Ouais, ne refaites plus jamais ça. Parfait. Bien que la science soit toujours collaborative, gardez à l'esprit qu'à l'instar d'Albert Einstein et de son cousin Terry, l'histoire ne se souviendra que d'un seul d'entre vous. D'accord, c'est du coopératif, mais on est quand même en compétition un peu. C'est ça. Saviez-vous, dans certains sports humains, le vainqueur est celui qui totalise le score le plus faible. Je me disais que comme la plupart des gagnants, vous trouveriez ce fait intéressant. Bleu reçoit 5 points de collaboration scientifique. Ah, je sais plus ce qu'il va falloir que je te fasse passer. Vas-y, hop. Donc normalement, tu dois pouvoir me mettre un portail quelque part. Faudrait que tu mettes un rouge. Le rouge, ouais. Merci. Alors, je vois qu'il y a des logos un peu partout. Des boutons chronométrés. D'accord. Il doit falloir mettre des trucs dedans, je suppose, quand même. Faut qu'on appuie tous les deux sur un bouton en même temps, non, c'est ça? Je pense que c'est on finit comme ça. Il y a, je vois qu'il y a, en fait, tu vois, il y a deux autres boutons en haut. Pas concours. Je pense qu'il faut appuyer sur les 4 boutons d'un coup. On a un petit temps, ouais. Bah vas-y, je te laisse lancer le chrono. Hop, une bouboule. Parfait, vous formez une très bonne équipe. Grâce à celui Merci, d'entre Gados. Vous qui fait tout le travail. Et c'est lequel? C'est moi. Bah, il y a que moi qui ai eu des points de coopération pour l'instant, donc Ouais. Ces tests peuvent se révéler mortels si vous ne maintenez pas une communication, une collaboration et un respect mutuel de tous les instants. Ce sera un défi des plus intéressants pour l'un de vous, vu la performance de votre coéquipier jusqu'à présent.
Ah oui, d'accord, ok. Hop, je pense qu'il faut que moi je mette... ici. C'est ça. C'est bien, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Ah, il y a les tourelles. Bonjour les tourelles. Il y a un bouton là. Non mais il y a une vitre, ça sert à rien de tirer. Hein. Attends, tac, vas-y, je peux détruire les tourelles. Pardon, hop. Qu'est-ce que vous faites, monstre? Monstre. C'est l'un des nôtres. Bah oui. Leur destruction fait partie du test. Attends, faut que j'aille poser. D'importance que j'en attache à vous. Tac. Je pense qu'il faut que j'en mette un là, un là. Ça va le faire ressurgir quelque part par là. Et toi, tu devrais pouvoir le mettre en fait. Ça pique. Ah zut! Et toi, normalement, il suffira juste que tu mettes un portail. Comme ça. Voilà. Divulguer les scores de chacun fausserait les tests. Mais je peux quand même vous révéler qu'au moins l'un de vous deux a de très très bons résultats. Ah merci! Venez rejoindre la salle de test suivante. Bonjour. Je ne sais pas ce que vous me notez, mais ça ne me plaît pas. Oh. Je vous demande de vous arrêter. Vous avez trouvé une répartition délicieuse des tâches. L'un s'occupe des problèmes intellectuels, l'autre se tient prêt à mettre son énorme arrière-train à contribution si le test se transforme en concours du plus gros mangeur. Alors là... Ah d'accord, donc moi il va falloir que je te fasse passer, je suppose, ça doit faire bouger les cases. Ok. C'est ça. Fais gaffe, tu peux très vite m'écraser. Bon... Alors, je vais me mettre là, du coup, ça doit faire bouger celui-là. Vas-y. Encore, je pense qu'il faut que tu avances encore. Hop. J'aurais placé un portail en haut, moi, en fait. Non ? Ouf ! Ah, t'inquiète. Hop, de toute façon, je vais faire descendre celui qui est là. Vas-y, là, normalement, tu vas pouvoir passer. Ah! Je reviens avec ça. J'ai jamais mis un portail derrière toi, d'ailleurs. Tu peux m'emmener à un endroit où je peux mettre un portail? Bouge pas. Là, t'en as un. Hop! Ouais. Et voilà. Hop, malgré les apparences, les points de collaboration scientifique ne sont pas le seul critère de notation de vos performances. C'est votre dommage, j'en avais plein. Votre score final tiendra compte de nombreux paramètres. Par exemple, Orange, vous venez de perdre 2 points de conseil contextuel. Par contre, elle te dit pas pourquoi t'as perdu des points. Bon, 2 points. Je me répète, ceci n'est pas une compétition. Mais si c'en était une, Bleu gagnerait. Eh ouais. Bleu reçoit 5 points de collaboration scientifique. Pourquoi, je sais pas. Mais n'empêche que... Alors, je suppose qu'il va falloir que tu me fasses avancer, là. Non, c'est de l'autre côté, d'abord. Alors, t'éviteras de me tuer. Je l'ai tenté. Oh, c'était limite. Vite,
Vite, je descends, je vais mourir. Allô. Attends. Au maximum, tu peux monter. Il me laissera le temps. Vas-y, là c'est bon. Hop, nickel. Et alors, moi, pour te faire passer. Un petit portail ? Ouais, mais. Je suppose qu'il faut que j'en mette un là. Je suppose qu'il faudrait que tu mettes au milieu en fait le laser avant peut-être. Non. Là-bas. Ah, il y a une surface à portail, d'accord. Autant pour moi. Du coup c'est bon. Ouais. En ma qualité d'intermédiaire de collaboration impartiale, il serait malvenu de nommer mon favori dans l'équipe. Néanmoins, je peux donner un indice que l'autre membre n'a pas les capacités intellectuelles de comprendre. Rime avec pneu. Orange, vous vous débrouillez très bien. Il a quand même son petit favori. Ouais. Alors que pourtant, je l'ai déjà tué deux fois. Les tests doivent s'affranchir de l'espace clos du laboratoire. Le prochain test est tellement conceptuel et non conformiste que je ne vous en indiquerai même pas l'objectif. Vous ne tarderez pas à être fixé. Ok, hop. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça en même temps. Ah, d'accord. Ah bah d'accord, ok. On peut faire comme ça, oui. Alors, je prends le CD et j'insère le disque. Félicitations, vous êtes parvenu à la fin de ce test d'une totale inutilité. Oh, j'ai failli oublier. Si vous quittez le parcours de test, je n'aurai d'autre choix pour vous récupérer que de vous démonter violemment avant de vous remonter avec minutie. T'as vu le tableau ? Par chance, vous êtes insensible à la douleur. Du moins, vous ne pouvez pas manifester que vous la ressentez. Ce qui a mon sens. Oh, d'accord. Ah d'accord, vas-y. Bon bah du coup, on va avoir fini la première salle si j'ai bien compris. Le premier parcours. Eh bah du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu sur ce mode coopératif. On va continuer dans les prochains jours la suite avec Keto. D'accord, on revient sur la pièce centrale. Vous avez obtenu une accréditation de niveau C. Vous avez maintenant accès à tous les parcours ainsi qu'à 3 des 176 toilettes d'Aperture Science. 176 toilettes, c'est pas mal. Pour des robots. Ouais. Bon, bah, en tout cas, Keto, merci pour ce premier épisode. On se retrouve dans quelques jours pour la suite et la deuxième salle. Bah ouais. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis bah, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.